là ce soir parmi vous parce que je sais que Dieu va nous faire du bien personnellement. Je suis venu vous annoncer, vous confirmer que vous n'allez pas rester dans la situation dans laquelle vous vous trouvez parce que Dieu va vous visiter. Alors je vais vous inviter à vous lever afin que nous puissions commencer. Vous qui nous suivez en ligne, je vais vous inviter à disposer votre cœur parce que Dieu va nous faire du bien. Nous allons commencer, nous allons prier, nous allons demander merci à Dieu, nous allons le remercier comme il est dit dans sa parole dans 1 Thessaloniciens 5, 18. Rendez grâce à Dieu en tout temps, rendez grâce à Dieu en toutes circonstances. Ce que Dieu attend de nous, c'est notre reconnaissance. Alors nous allons élever nos voix et nous allons lui dire merci. Merci pour le souffle de vie qu'il nous accorde. Merci parce que nous sommes encore présents ce soir. Nous allons lui dire merci. Ce n'est pas, nous ne valons pas plus que ceux qui sont morts. Nous ne valons pas plus que ceux qui sont dans les lits d'hôpitaux. Mais nous sommes encore là aujourd'hui. Alors tu vas lui dire merci. Élève ta voix et remercie-le. Seigneur, je te dis merci. Merci pour ce souffle de vie. Seigneur, j'ai dormi, je me suis réveillée et je suis encore là. Seigneur, je te dis merci parce que je n'ai pas vu ce qui s'est passé pendant la nuit, mais tu as combattu pour moi. Seigneur, je te dis merci parce que j'ai passé toute la journée et je ne sais pas ce qui s'est passé spirituellement, mais toi, tu as combattu pour moi. Voilà pourquoi merci, je veux te remercier. Élève ta voix, mon frère, ma soeur, et dis-lui merci. Tu as des raisons de le remercier. Tu as des raisons de le remercier. Tu as des raisons de le remercier. Élève ta voix, remercie-le. Nous te disons merci de ce que tu nous protèges. Tu es notre bouclier, Jésus. Oui, tu es notre bouclier, ô Dieu. Vraiment, c'est toi qui nous gardes, Seigneur. Nous te disons merci pour la vie. Merci pour les bienfaits dans ta vie. Remercie-le pour tes enfants. Remercie-le parce que tu peux manger tout seul. Il y a des personnes qui doivent manger avec des sondes, mais toi, tu peux manger avec des couverts, tu peux manger avec tes mains. Alors remercie-le. Il y a des personnes qui ne peuvent même pas parler, mais toi, tu peux parler. Il y a des personnes qui ne peuvent même pas marcher, mais toi tu peux marcher. Il y a des personnes qui ne peuvent même pas sourire ni courir, mais toi tu peux le faire sans effort. Alors dis-le merci. Je aime les cœurs reconnaissants. Dis-le merci pour tout ce qu'il a fait pour toi. Dis-le merci parce que tu es encore là parmi nous. Dis-le merci parce que Dieu t'a amené en 2022. Dis-le merci parce que tu as passé, tu es passé par 2021 et maintenant tu es là en 2022. Alors remercie-le. Beaucoup nous ont quittés. Tu ne valais pas plus que ce n'est que la grâce de Dieu qui est sur ta vie. Alors dis-lui merci pour cette grâce. Dis-lui merci parce que tu as des choses pour lesquelles ton prochain prie. Mais toi, tu les as eues par la grâce de Dieu. Alors remercie-le. Remercie-le encore pour la paix qu'il te donne. Remercie-le encore parce que ce soir, il va te faire du bien. Remercie-le. Toi, mon frère qui me suit à distance. Remercie-le. Toi, ma soeur. Toi, mon jeune frère. Toi, un ado qui me suit. Remercie Dieu encore pour ce souffle de vie. Remercie-le encore pour l'intelligence qu'il t'a donnée. Remercie-le parce que tu es la tête et non la queue. Remercie-le parce qu'il a changé ton statut. Remercie-le parce qu'il a changé ton statut. Tu étais célibataire et maintenant tu es marié. Tu étais dans le chômage et maintenant tu es employé. Tu étais employé et maintenant tu es auto-entrepreneur. Ce n'est que la grâce de Dieu. Tout ce que nous avons, ce n'est que la grâce de Dieu. Tu étais stérile et maintenant tu as pu enfanter. Ce n'est que la grâce de Dieu. Dis-le merci. Tout ce que tu as, ce n'est pas le fruit de tes propres efforts. Ce n'est pas le fruit de tes propres efforts, mais c'est la grâce de Dieu. Alors élève ta voix encore. Dis-le merci. Dis-le merci pour la santé de tes enfants. Dis-lui merci pour tout ce que tu as. Dis-lui merci parce que ton dossier est favorable. Dis-lui merci parce que tes dossiers sont favorables. Tes affaires sont favorables. Dis-lui merci parce que tu te trouves dans cette année de gloire. Dis-lui merci parce que tu te trouves dans cette année de gloire. Et tu es éligible pour vivre sa gloire dans ta vie. Alors remercie-le. Seigneur, je te dis merci. Je te dis merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour tes bontés qui se renouvellent chaque matin dans ma vie. Merci pour tes bontés qui se renouvellent chaque matin dans la vie de mon frère. Merci pour tes bontés qui se renouvellent chaque matin dans la vie de ma soeur. Merci parce que je peux respirer. Je suis en bonne santé. Papa, j'aurais pu quitter ce monde. Toi-même, tu sais combien de fois j'aurais pu y passer. Mais tu as fait en sorte que je puisse encore être là ce soir. Merci, Seigneur, de m'avoir relevé. Heureusement, Seigneur, que tu m'as relevé. Heureusement que tu es là. Heureusement qu'il y a Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci parce que tu nous fais du bien. Merci parce que tu nous fais du bien. Élève ta voix et remercie Dieu. Remercie-le encore une fois de plus. Tu as des raisons de dire merci. Tu as des raisons de dire merci.
Tu as un toit pour dormir, alors que beaucoup n'ont pas de toit pour dormir. Remercie-le pour ça. Remercie-le pour le logement que tu attendais. Remercie-le pour le logement que tu attendais et que tu as pu avoir. Remercie-le pour le travail que tu lui as demandé et que tu as pu avoir. Remercie-le pour le permis, pour le code que tu as demandé et que tu as pu avoir par sa grâce. Parce que tout est grâce, tout ce que nous avons est le fruit de la grâce de Dieu. Tu es le produit de la grâce de Dieu. Alors remercie-le encore une fois. Élève ta voix. Toi qui me suis à distance, remercie Dieu, remercie Dieu, remercie Dieu encore une fois de plus. Arabochata, Seigneur, je te dis merci. Merci parce que je peux me tenir devant toi. Merci parce que c'est un privilège de me retrouver dans ta présence. Quel privilège, quel privilège. Beaucoup sont encore dans la perdition. Moi, je suis là. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus pour tes bienfaits. Merci Seigneur Jésus pour ta bonté qui ne s'épuise pas. Tu m'as béni hier. Tu me bénis encore aujourd'hui et tu me béniras encore demain. Merci Seigneur, merci. Élève ta voix, mon frère, ma soeur, tu fais bien, tu fais bien. Dis encore merci à Dieu, dis merci à Dieu, même si tu n'as pas encore vu ce que Dieu a fait pour toi. Dis-lui merci, même si tu n'as pas encore reçu ce que tu attendais. Dis-lui merci, dis-lui merci. Élève ta voix et remercie-le. Ne te lasse pas de le remercier, car Dieu aime les cœurs reconnaissants. Dieu aime le cœur reconnaissant. Arabochata. Seigneur Jésus, je ne peux pas me lasser de te dire merci, parce que tu as trop fait pour moi. Je ne pourrais pas tout citer. Depuis que je suis né jusqu'à aujourd'hui, Seigneur, tu m'as gardé. Depuis que je suis né jusqu'à aujourd'hui, je peux dire Ebenezer parce que je suis encore là. Seigneur, je vis. Seigneur, je respire. Ah, Seigneur, non, tu es trop bon pour moi. Tes bontés me dépassent. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour la vie. Merci pour tout. Merci pour tout. Merci parce que tu m'as guéri. Moi qui étais malade. Malade, tu m'as guéri. Merci parce que c'est par tes mains précieuses que tu nous sommes guéris. Heureusement que tu t'es donné à la croix pour nous. Merci pour ce sacrifice à la croix. Merci Jésus. Merci Jésus. Heureusement que tu es là. Merci, merci, merci. Oh Shabarababa. Dieu n'attend pas que tu puisses faire des longues phrases. Dieu n'attend pas des phrases extraordinaires. Il attend seulement un cœur reconnaissant. Il attend un cœur sincère. Alors remercie-le. Exprime-le ta gratitude sincèrement. Il n'a pas besoin de longues phrases. Il n'a pas besoin que tu puisses multiplier les paroles. Il veut juste un cœur reconnaissant. Il veut juste un cœur sincère. Alors reviens vers lui et dis-lui merci. Ne nous aimer comme tu nous aimais. Assurément, tu as demandé des choses à Dieu. Dieu t'a exaucé, mais tu as oublié de lui dire merci. Alors continue de lui dire merci. Dis-lui merci pour ce qu'il a accompli dans ta vie et que tu avais oublié de lui dire merci. Reviens vers lui et remercie-le encore une fois. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce que tu as fait dans ma vie. Si j'ai oublié de te remercier, merci pour une prière Seigneur, que j'avais faite et que tu as exaucée. Je reviens ce soir. C'est l'occasion pour moi de te dire merci. 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 Réveille ta mémoire et remercie-le encore. Réveille ta mémoire et remercie-le encore. Tu penses que l'enfant que tu as, c'est normal. Mais ce n'est qu'une grâce. Ce n'est qu'une grâce. Tout ce que tu as, ce n'est que le fruit de la grâce de Dieu. Alors remercie-le. 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 Ah Seigneur, je te dis merci. Merci Seigneur. Merci, merci Saint-Esprit, merci parce que tu nous fais du bien. Merci. Toujours dans cet élan de prière, toujours dans cette atmosphère, nous allons demander à Dieu de nous pardonner. Nous allons revenir vers son trône de grâce et lui demander pardon. Comme il est dit dans sa parole dans 1 Jean 1, 9, que si vous confessez vos péchés, il sera juste et fidèle pour vous les pardonner et vous purifiera de toute iniquité. Alors nous allons demander pardon à Dieu. Comme la sœur Maryse nous a dit précédemment qu'il n'y a pas de gloire sans repentance. Alors nous allons dire pardon à Dieu. Tu vas confesser le péché parce que toi seul tu sais ce que tu as fait. Est-ce que tu as été envieuse? Peut-être que tu as été jalouse. Je ne sais pas, mais toi tu sais. Alors tu vas demander pardon à Dieu. Et lorsque tu confesses ton péché, sache que Dieu te purifiera. Sache que Dieu te pardonnera. Il ne te condamne pas. Il ne te juge pas. Ce qu'il attend, c'est que tu puisses lui demander pardon. Alors mon frère, je t'en prie, élève ta voix et demande-lui pardon. Ma sœur, élève ta voix et demande-lui pardon. Toi qui me suis à distance, rapproche-toi de Dieu. Rapproche-toi de son trône de grâce et demande-lui pardon. Demande-lui pardon parce que tu as péché. Péché, c'est désobéir à la parole de Dieu. Péché, c'est transgresser les lois de Dieu. Péché, c'est faire sa propre volonté. Alors tu vas demander pardon. Oui, tu veux rentrer dans la... Oui, tu veux voir la gloire de Dieu cette année. Mais sache que la gloire dans la désobéissance emmène la mort. Alors tu vas tout d'abord te purifier. Tu vas tout d'abord te laver. Tu vas tout d'abord déposer à ses pieds tes fardeaux. Tu vas tout d'abord déposer à ses pieds tous tes péchés. Tu vas confesser tes péchés et tu vas citer tes péchés. Élève ta voix et prie encore.
Seigneur, nous nous approchons de toi. Nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous, Seigneur, si j'ai péché. Seigneur, il y a des choses que tu hais. La parole de l'Éternel dit qu'il y a 6 choses qu'il y a, que l'Éternel a horreur, voire même 7. Seigneur, tu hais la langue menteuse. Tu hais le cœur qui se précipite au mal. Tu hais le cœur qui médite le mal. Tu hais les personnes, Seigneur Jésus, qui cherchent des querelles entre frères et sœurs. Tu hais, Seigneur Jésus, les regards hautains. Est-ce que tu as regardé hautainement? Demande pardon à Dieu. Est-ce que tu as été dans l'impudicité? Demande pardon à Dieu. Est-ce que tu as été dans les mauvaises choses? Est-ce que c'est la médisance? Est-ce que c'est la calomnie? Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu et Dieu te pardonnera. Confesse tes péchés devant lui afin qu'il puisse te pardonner. Confesse tes péchés devant lui afin qu'il puisse te pardonner. Et si tu confesses, il te purifiera de toute iniquité. Demande pardon. Seigneur, je te demande pardon. Pardonne-moi si j'ai été dans la rancune. Pardonne-moi si j'ai refusé de pardonner. Pardonne-moi si j'ai fermé mon cœur. Pardonne-moi si je n'ai pas manifesté l'amour. Pardonne-moi si je n'ai pas voulu manifester l'amour. Pardonne-moi si j'ai voulu faire ma propre volonté. Pardonne-moi. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous si nous n'avons pas fait ce que tu attendais que nous fassions. Pardonne-nous si nous n'avons pas dit ce que tu voulais que nous devons dire. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-moi, pardonne-moi. Je n'attends pas que tu puisses faire des longues phrases extraordinaires. Ce qu'il veut, c'est que tu puisses te repentir afin de vivre sa gloire, parce que sa gloire nous éloigne, parce que le péché nous éloigne de sa gloire. Alors demande-lui pardon. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi pour tout ce que j'ai pu faire qui ne t'a pas rendu gloire. Pardonne-moi pour tout ce que j'ai pu penser. Pardonne-moi si j'ai pensé des mauvaises choses, si j'ai nourri mes mauvaises pensées. Seigneur, je te demande de me pardonner. Pardonne-moi si j'ai jugé mon prochain. Pardonne-moi si j'ai jugé mon frère. Pardonne-moi si j'ai jugé ma sœur. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi. Toi qui me suis, prie et demande pardon à Dieu. Toi qui me suis, répands-toi devant le trône de sa grâce. Toi qui me suis, demande pardon. Demande pardon à Dieu. Et demande à Dieu de t'aider. Demande à Dieu de t'aider à ne pas recommencer les péchés dans lesquels tu n'arrives pas à abandonner. Demande à Dieu de t'aider, de ne plus pécher. Ah, Seigneur, pardonne-nous. Je pense à un frère qui est dans le péché. Je pense à un frère qui est dans une prison de péché, mais qui n'arrive pas à s'en sortir. Seigneur, il vient devant toi, il te demande pardon, tu le purifies, maintenant aide-le, aide-le à ne plus recommencer ce même péché-là. Ah oui, que ton esprit puisse venir sur nous, remplis-nous de ton esprit, parce que lorsque nous sommes remplis de ton esprit, nous ne pouvons pas accomplir le désir de la chair. Alors Seigneur Jésus, remplis-nous de ton esprit, afin que nous n'accomplissons pas le désir de la chair. Nous ne voulons pas recommencer nos fautes, nous ne voulons pas recommencer le péché, nous ne voulons plus désobéir à ta voix. Ah Seigneur, aide-nous et purifie-nous de ton sang, que le sang qui a coulé sur la croix de Golgotha puisse nous laver, que le sang qui a coulé sur la croix de Golgotha puisse nous purifier de tout péché, que ton sang qui a coulé, Seigneur, puisse nous laver. Pardonne-nous, élève ta voix et demande pardon à Dieu, élève ta voix et réponds-toi devant lui. Oui, tu veux la gloire, mais sache que la désobéissance amène la mort. Alors demande pardon à Dieu, si de les péchés, tu sais au fond de toi quel péché tu as fait, alors demande-lui pardon. Pardonne-moi, Seigneur Jésus. Pardonne-moi si j'ai mal regardé ma sœur ou mon frère. Pardonne un frère. Pardonne une sœur. Pardonne un jeune. Pardonne un ado. Pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur. Nous avons besoin que tu puisses nous pardonner. Nous confessons nos péchés devant toi. 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 Et nous attendons à ce que tu puisses nous pardonner, comme il est écrit dans ta parole. Et toi, tu es derrière ta parole pour l'accomplir. Alors je te dis merci pour le pardon des péchés. Merci pour le pardon des péchés. Merci pour ton sang qui nous sanctifie. Merci pour ton sang qui nous lave. Merci pour la force que tu nous donnes de ne plus recommencer. Merci pour la force que tu nous donnes de ne plus recommencer. Merci parce que tu nous fortifies. Et je sais qu'un frère ou une sœur qui se trouvait dans cette prison de péché se relève et ne recommencera plus. Je sais qu'une personne se relève et va et ne recommencera plus. Merci Seigneur parce que tu le fais. Merci parce que tu le fais. Merci parce que tu le fais en nous. Arrebochata. Merci Seigneur Jésus, merci pour le pardon, merci pour tout. Tu es un Dieu d'amour, tu ne condamnes pas, tu ne juges pas. Je te dis merci. Merci. Toujours dans cet élan, nous allons faire des déclarations. Nous allons déclarer des bonnes choses sur nos vies. Sa parole, la parole de Dieu nous dit dans Proverbes 18, 21,
La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Celui qui l'aime en mangera les fruits. Je comprends par là que si nous faisons des bonnes déclarations, ça produira des bonnes choses. Alors ce soir, nous allons déclarer des choses. Et nous n'allons pas déclarer comme d'habitude. Nous allons faire des déclarations avec effet immédiat. C'est-à-dire que ce que tu vas déclarer maintenant, là, ça va s'accomplir. Pas après, pas dans 2 minutes, pas à la fin de cette réunion, mais maintenant. Tu vas déclarer sur cette situation que tu as longtemps vue, mais qui n'a pas changé. Tu vas déclarer sur la vie de tes enfants. Tu vas déclarer sur la vie de tes parents. Tu vas déclarer sur ta situation financière. Tu vas déclarer sur tout ce que tu veux voir changer dans ta vie. Tu vas déclarer. Alors élève ta voix et commence à déclarer. Ah, Shabarababa. Ah, Seigneur Jésus, nous déclarons. Nous déclarons la guérison là où il y a la maladie. Nous déclarons la vie là où il y a la mort. Nous déclarons sur nos finances qu'à la fin de ce mois-ci, nous ne finirons pas à découvert. Nous déclarons une percée financière. Nous déclarons que nous prospérerons comme prospère l'état de notre âme. Nous déclarons que nous serons la tête et non la queue. Toute cette année, je serai la tête et non la queue. Toute cette année, Rabochata. Nous déclarons la vie. Déclare, mon frère, tu fais bien. Commence à déclarer. Déclarer. Déclare. Et ce que tu déclares s'accomplit avec effet immédiat. Lorsque tu déclares, Dieu de son trône accomplit tes déclarations avec effet immédiat. Rabochata. Ah, Seigneur Jésus, nous déclarons. Nous déclarons la guérison. Ah Seigneur, je pense à un bébé qui est en néonatologie. Je déclare la santé sur sa vie. Sur un enfant qui est au service de natalogie, je déclare l'accélération de sa santé au nom de Jésus. Nous déclarons des bonnes choses sur une femme qui est stérile. Je déclare l'onction de fécondité parce que dans ta maison, il n'y a point de stérile. Tu es celui qui a donné Samuel à Anne. Tu es celui qui a donné Isaac à Sarah. Tu es celui qui a donné les jumeaux Esaü et Jacob à Rebecca. Tu es celui qui brise la stérilité parce que dans ta maison, il n'y a pas de femme stérile. Alors je prie pour l'onction de fécondité. Je prie sur une femme qui est stérile. Tu enfanteras. Je dis qu'avant la fin de ce mois-ci, il y aura une onction de conception. Et qu'avant la fin de cette année, nous célébrerons Dieu parce que tu auras enfanté. Je déclare la fécondité sur les femmes stériles au nom de Jésus. Tu es Dieu. Tu es Dieu et tu es fidèle. Tu es derrière ta parole. Alors nous déclarons la vie là où il y a la mort. Nous déclarons la vie dans tous les domaines de ma vie, dans tous les aspects de nos vies. Nous déclarons que les choses vont changer. Nous déclarons que les choses vont changer. Mon frère, ma soeur, prie, si c'est le travail que tu cherches, déclare que tu l'as trouvé. Si c'est l'alternance que tu cherches, déclare que tu l'as trouvé au nom de Jésus. Ah, nous déclarons le mariage sur le célibat au nom de Jésus. Nous déclarons que les réclamations familiales sont tombées au nom de Jésus. Ah, tu es Dieu. Nous déclarons. Ne te lasse pas de déclarer. Personne ne pourra déclarer mieux que toi-même. Tu connais ta vie, tu connais ta situation. Alors déclare, c'est maintenant. C'est maintenant, c'est pas demain. C'est à cet instant précis. Fais tes déclarations. Déclare avec foi. Parce que sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Alors déclare avec foi. Déclare avec force. De toutes tes forces, déclare. C'est maintenant. C'est maintenant. Ah Seigneur, les situations doivent changer. Les situations doivent changer au nom de Jésus. Dans notre famille, Seigneur Jésus, à l'église, nous déclarons des bonnes choses au nom de Jésus. Déclare sur la vie de tes enfants, tes parents, ce que tu veux voir changer, cette situation qui a longtemps duré. Déclare cette situation au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ah, je déclare la guérison, Seigneur, sur une femme qui souffre d'endométriose depuis des années et des années. Nous déclarons la guérison sur une personne qui souffre d'hypertension, sur une personne, Seigneur, qui souffre de cancer, de sida. La guérison au nom de Jésus. Nous déclarons la guérison au nom de Jésus. Nous déclarons la guérison au nom de Jésus. Nous déclarons la guérison au nom de Jésus. Tu es Dieu. Et c'est par tes mains, Christ, que nous sommes guéris. Alors nous déclarons la guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ah oui, déclare mon frère, déclare ma soeur, ne te lasse pas de déclarer. Ah, déclare. Chabare baba baba chete. Ribosata baba 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 sakaba. Reba chete bébé. Ah Seigneur Jésus, tu es Dieu. Merci parce que tu accomplis. Merci parce que tu prends en charge nos déclarations.
déclarations. Merci parce que nos déclarations, Seigneur, ne sont pas sans effet. Mais Seigneur Jésus, tu accomplis, Seigneur Jésus. Merci. Tu es Dieu. Toujours dans cette atmosphère, nous allons remettre nos vies spirituelles entre les mains de Dieu. Là, nous sommes dans le programme MJP, mais lorsque le programme MJP va finir, nous voulons dire à Dieu que nous voulons conserver cette chaleur. Nous voulons toujours conserver cette dynamique. Nous voulons toujours nous rapprocher de lui. Nous voulons toujours désirer sa présence. Alors tu vas prier, tu vas remettre ta vie de prière, ta relation intime avec l'Éternel entre ses mains. Que chaque jour tu puisses te rapprocher de lui, parce que c'est dans les meilleurs moments de nos, parce que sa présence est bonne pour nous et parce que les meilleurs instants de nos vies se trouvent dans sa présence. Nous ne voulons pas la gloire sans la présence de Dieu. Tu vas te rapprocher de lui encore et tu vas demander à Dieu de conserver cette dynamique dans la prière, même s'il n'y a plus les dévotions matinales, que toi seul tu puisses faire tes dévotions personnelles, même s'il n'y a plus les prières en ligne de midi à 18h, que toi seul tu puisses prier, parce que sa parole nous dit de prier sans cesse. Alors tu vas recommander ta relation entre les mains de Dieu, tu vas recommander cette intimité là que tu as avec le Seigneur, tu vas lui dire que toute cette année tu veux toujours rester près de lui. Parce que rien ne pourra te séparer de lui, comme le dit sa parole. Élève ta voix et prie. Ah, rien ne nous séparera de toi. Je refuse que quelque chose puisse me séparer de toi, Seigneur. Alors je veux te recommander, Seigneur Jésus, ma relation intime avec toi entre cette main. Papa, nous sommes dans le programme de MJP. Nous sommes là dans cette atmosphère. Nous sommes là dans cette chaleur. Nous voulons conserver cette chaleur de l'esprit. Nous voulons conserver ce rythme de prière. Nous voulons conserver cela. Nous voulons toujours nous rapprocher de toi. Mon frère qui est à distance, prie pour ta vie spirituelle. Pour ta relation avec Dieu, demande à Dieu que tu veux plus de lui. Dis à Dieu que tu veux te rapprocher de lui, pas que pour MJP, mais pour tout au long de cette année. Tu veux toujours demeurer dans sa présence, tu veux toujours demeurer dans ta présence, que tu refuses la gloire sans sa présence. Prie et lève ta voix et demande à Dieu que tu veux toujours rester près de lui, que tu veux que Dieu demeure, que tu veux une relation plus profonde avec lui, que tu veux développer cette relation d'intimité avec lui, que tu veux même qu'il puisse parler avec toi. Comme il a parlé avec Moïse face à face, comme un homme parle avec son ami. Ah Seigneur Jésus, nous voulons plus de toi. Plus de toi cette année. Nous voulons encore nous rapprocher de toi, Seigneur. Remets ta relation d'intimité. Remets ta vie chrétienne entre les mains de Dieu. Ah, que rien ne puisse te séparer de l'amour de Jésus-Christ. Que toutes les circonstances qui se produiront cette année ne puissent pas t'éloigner de Jésus-Christ. Que tout ce qui va se passer cette année ne puisse pas t'éloigner de sa présence. Prie pour ta relation avec Dieu, que Dieu puisse être le centre de cette relation, que Dieu puisse être le centre de cette relation, que Dieu puisse être ton premier amour, que Dieu puisse être ton premier amour, que même après MJP, que tu puisses continuer à faire tes dévotions matinales personnelles, que même après MJP, que tu puisses prier sans cesse, que même après MJP, que tu puisses continuer de méditer la parole de Dieu, parce que c'est dans sa parole, il est dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, tu les méditeras jour et nuit. Alors demande à Dieu encore que tu veux méditer sa parole, parce qu'il est capable de créer en toi le vouloir et le faire. Prie mon frère, ma soeur qui me suit en ligne, élève ta voix et demande à Dieu que tu le désires encore, que tu puisses encore le désirer, que tu veux encore aspirer aux choses d'en haut. Demande à Dieu de te fortifier et de te garder dans sa présence, peu importe les circonstances de sa vie, parce que sa présence est notre oxygène. Alors élève ta voix et dis à Dieu que tu veux plus de lui, que tu veux plus de lui. Plus de toi, Seigneur, plus de toi dans ma vie, plus de toi, plus de toi. Nous voulons plus de toi, nous voulons plus de toi, nous voulons plus de toi, Seigneur Jésus. Ah, rabocher tes bébés. Seigneur, je veux me rapprocher de toi. Seigneur Jésus, je veux continuer d'être près de toi. Je veux que tu sois mon meilleur ami. Je veux moi aussi dire que tu as parlé avec moi face à face comme tu as parlé avec Moïse, face à face comme un homme parle à son ami. Seigneur Jésus, je veux plus de toi, plus de toi, plus de ta présence, plus de ta présence. Je refuse la gloire sans ta présence. Je refuse la gloire sans ta présence, Seigneur. Ah, il est question de toi tout d'abord. Il est question de toi tout d'abord. Il est question de toi tout d'abord. Il est question de ta personne, Seigneur. Je t'aime et je veux plus de toi. Je veux encore t'aimer davantage. Je veux encore t'élever davantage. Seigneur Jésus, plus de toi. Garde-nous dans ta présence. Ne nous laisse pas s'échapper de toi, parce que nous avons besoin de toi. Tu es notre source de vie. Tu es notre oxygène. Tu es notre oxygène. Tu es mon oxygène, Seigneur. Tu es mon oxygène. Ah, Seigneur Jésus, je veux plus de toi. Plus de toi. Plus de toi.
plus de toi, plus de toi. Dis à Dieu que tu veux plus de lui, plus de lui, plus de lui. Que tu veux marcher dans sa présence chaque jour de cette année. Que tu veux marcher dans sa présence chaque jour de cette année. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, je veux marcher tous les jours dans ta présence. Tous les jours, je veux te chercher. Tous les jours, je veux te chercher. Tous les jours, je veux te chercher. Parce que tu es mon Dieu. Parce que tu es ma vie. Parce que tu es ma paix. Parce que tu es tout pour moi. Parce que tu es tout pour moi. Parce que tu es tout pour moi, Seigneur. Ah, Seigneur Jésus, je veux plus de toi encore. Plus de toi encore. Plus de toi encore, Seigneur. Amen, amen. Que rien ne nous éloigne de toi. Nous allons maintenant prier pour toutes les personnes qui se sentent blessées intérieurement, qui sont brisées, qui sont tristes, qui passent par des périodes difficiles, qui sont dans la dépression, qui vivent sous le poids de la peur quotidienne. Nous allons prier pour eux, nous allons les recommander entre les mains de Dieu. Peut-être même que c'est toi qui traverses des choses difficiles. Tu vas prier pour toi-même et tu vas prier pour ton frère. La parole de Dieu nous dit dans Romains 5, heureux celui qui pleure car il sera consolé. Alors nous allons prier pour toutes ces personnes-là qui traversent des choses difficiles. Nous allons les ramener vers le trône de grâce et que Dieu puisse leur donner la paix qu'un homme le peut donner. C'est Dieu qui la donne parce que cette paix-là, c'est une paix qui est permanente, ce n'est pas une paix qui est temporaire. Alors nous allons prier pour toutes ces personnes qui passent par des périodes difficiles. Si c'est toi, tu pries pour toi et tu pries aussi pour ton frère et ta sœur. Élève ta voix et prie pour toutes ces personnes. Seigneur Jésus, tu es le Dieu qui console. Je prie que tu puisses consoler un cœur qui est brisé. Je prie que tu puisses consoler un cœur, Seigneur Jésus, qui se sent, Seigneur Jésus, seul. Seigneur, Seigneur, ta paix, Seigneur. Est-ce que c'est une personne qui a perdu son père, Seigneur, je prie que tu puisses la combler, parce que toi, tu es le père des orphelins. Seigneur Jésus, comble son cœur. Est-ce que c'est une personne qui a perdu un être cher, Seigneur, je prie que toi, tu puisses combler. Est-ce que c'est une personne qui a perdu quelque chose de précieux, qui a perdu une relation, Seigneur, je prie que tu puisses combler cette personne. Je prie pour chaque personne qui traverse des moments difficiles, chaque personne qui vit sous le poids de la peur, chaque personne qui traverse une période de dépression, qui vivent sous le poids de l'anxiété, de l'angoisse. Je prie pour ces personnes parce que tu es capable de donner la paix. Tu donnes la paix qu'un homme ne peut donner. Tu donnes la paix qu'un homme ne peut donner. Mon frère, toi qui es à distance, prie. Prie, peut-être que c'est toi. Peut-être que c'est toi qui traverses des choses difficiles. Peut-être que c'est toi qui vis constamment dans la peur, constamment dans l'angoisse. Prie pour ta vie. Prie pour ta vie et demande à Dieu de t'aider. Demande à Dieu de t'aider et je te confirme que Dieu te consolera parce que dans sa parole, il est dit « Heureux celui qui pleure car il sera consolé ». Seigneur Jésus, je prie, Seigneur Jésus, pour toutes ces personnes qui ont semé dans les larmes. Toute cette année, toutes ces personnes qui ont semé dans les larmes. Je prie qu'elles puissent moissonner avec des chants d'allégresse. Je prie qu'elles puissent moissonner avec des cris de joie, Seigneur Jésus. Oh, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je t'en supplie. Fais grâce, soutiens un cœur qui pleure. Essuie les larmes, toi qui es le Dieu qui donne la paix. Tu donnes la paix qu'un homme ne peut donner. Je t'en supplie, fais-le encore. Fais-le encore dans la vie d'une personne. Soutiens la personne, soutiens une personne qui pleure, soutiens une personne qui crie de douleur, soutiens parce que tu es le seul qui est capable de le faire. Seigneur, nous comptons tellement sur toi, Seigneur Jésus, nous nous attendons à toi, Seigneur, fais-le, Seigneur. Toutes ces personnes qui traversent des périodes difficiles, que tu puisses les apaiser, que tu puisses les apaiser au nom de Jésus. Seigneur, nous avons confiance. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu le fais en nous. Merci pour ce dépôt de joie que tu mets. Merci pour ce dépôt de sourire que tu mets sur la vie d'une personne. Merci parce que tu nous relèves. Merci parce que nos têtes étaient courbées et aujourd'hui tu nous relèves. Merci parce que tu nous fais du bien. Tu nous as fait du bien. Tu continueras encore de nous faire du bien. Tu es l'alpha, tu es l'Emmanuel et tu es l'oméga. Merci Seigneur pour les siècles des siècles. Amen. Amen, amen. Alléluia. Est-ce que nous pouvons encore acclamer ce Dieu qui est réel, ce Dieu qui est vrai, ce Dieu qui peut changer de choses, ce Dieu qui est omnipotent, omniscient, omniprésent. Oh, le redoutable Dieu. Il est le plus fort. Il est le tout-puissant, notre roi, notre Dieu. Seigneur, tu as changé l'eau en vin. Tu es capable de changer toute situation. Alléluia. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté. Est-ce que nous pouvons encore acclamer ces dieux grands? Alléluia.
notre Dieu, il est notre Dieu, notre Dieu, notre Dieu, notre Dieu, notre Dieu. Notre Dieu est admirable. Tu es admirable. Notre Dieu est admirable. Notre Dieu est admirable. Notre Dieu est admirable. Est-ce qu'une voix peut s'élever dans l'assemblée? Est-ce que ce soir tu peux adorer ton Dieu? Est-ce que ce soir quelqu'un peut élever sa voix? Est-ce que ce soir, quelqu'un peut prosterner son cœur devant Dieu? Quelqu'un peut prosterner son cœur devant Dieu? Nous sommes venus devant le Dieu glorieux. Est-ce que ce soir, quelqu'un peut prosterner son cœur? Mets de côté tes soucis, mets de côté tes échecs, mets de côté tout ce qui peut te perturber. Ce soir, nous sommes venus adorer notre Dieu.
Yeah.
Seigneur, à nous. Glorifie ton nom, Seigneur. Relâche ta gloire, Seigneur, au milieu de nous, au milieu de ton peuple, Seigneur. Relâche ta gloire. Nous voulons te voir. Nous voulons vivre ta gloire, Seigneur, au milieu de nous. Relâche, relâche, relâche.
Seigneur. Viens ouvrir les cieux, Seigneur, dans nos vies. Viens ouvrir les écluses des cieux. Que ta pluie tombe, Seigneur, sur nous, Jésus. Nous nous attendons à toi encore, Seigneur, ce soir. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Viens relâcher ta gloire. Viens relâcher les miracles, Jésus. Oh, viens relâcher tout ce qui vient d'en haut. Viens relâcher tout ce qui vient d'en haut ici, Seigneur. Nous nous attendons à toi, Seigneur, ce soir. Oh, nous sommes là pour toi, Seigneur Jésus. Oh, fais tomber ta pluie sur nous, Jésus. Ouvre les écluses des cieux en ce lieu. Ouvre les écluses des cieux en ce lieu. Ouvre le ciel sur nous, Jésus. Yes.
Alléluia. Simplement lever nos mains vers Dieu. Ouvre les églises. Soit visible, manifeste et palpable. Alors que nous sommes dans ce temps de jeûne et de prière, je voudrais qu'on puisse chanter un cantique qui dit simplement Emmanuel. Je vais demander à Aigle et à ma femme de venir aussi rejoindre l'équipe si possible. Alors que tu es en train de prier, de parler, de dire à Dieu, j'ai besoin de ta gloire. Nous sommes là Dieu, et nous voulons que sa gloire soit visible et manifeste. Et je voudrais que ce soit le cri de ton cœur, le soupir de ton âme. Parle à Dieu. Pendant une minute, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Que tu as besoin de sa gloire dans toutes les dimensions possibles de ta vie, dans toutes les dimensions possibles de tout ce que tu fais, dans tout ce que tu fais. Tu as besoin de la gloire pour toi-même. Tu as besoin de la gloire pour ta maison. Tu as besoin de la gloire pour ton ministère. Tu as besoin de la gloire pour tout et pour tout. Dis Seigneur, j'en ai besoin. Sans la gloire de Dieu, nous ne pouvons rien. Un cantique simple seulement, Emmanuel. Oh, Shalabasanagosa. Qui va nous introduire dans le message que nous allons apporter tout à l'heure par la grâce de Dieu. Oh, alléluia. Emmanuel est ici parmi nous. Que sa gloire atterrisse, que sa gloire arrive. Tu es là, tu es là.
présence réelle, ta présence magnifique, ta présence glorieuse, car le Saint-Esprit, Saint-Esprit, tu as dit sur toi sa gloire va durer. Les ténèbres couvrent la nation, mais sur toi sa gloire apparaît. Sur ma vie, sur mon maison, sur ma famille, sur mon église, sur mes projets, sur mes affaires, la gloire de Dieu apparaît. Sur ma vie, sur mon église, dans cette église, mon église, dans mon pays, Emmanuel, Dieu parmi nous, Dieu avec nous, au dedans, dehors et partout. Nous levons les linteaux de nos cœurs afin que le roi de gloire fasse son entrée. Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, et que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant dans le combat. C'est lui le roi de gloire. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci de nous honorer à ta présence. Merci pour ce privilège. Nous ne considérons pas que cela est un, Seigneur, est un mérite, mais plutôt une grâce et un privilège. Merci de nous attirer encore nombreux ce soir dans ta présence. Merci pour le ministère des anges. Merci, Seigneur, pour l'œuvre de la croix. Que le nom de Jésus soit glorifié. Est-ce que nous pouvons faire monter une offrande d'acclamation à notre Dieu? Alléluia. Alléluia. Alors que nous voulons écouter ta parole, je demande ta grâce, je demande ton onction, je demande l'inspiration qui vient de toi. Je demande la direction divine. Je demande que tout ce qui sera dit soit poussé par l'Esprit. Que rien de ma vie, rien de mon cœur, je dirais, rien de ma chair ne s'exprime. Parle, car tes paroles sont esprit et vie. Merci de nous mettre sur la piste de la gloire de Dieu dans cette année 2022. Merci pour le travail que tu as commencé à faire. Seigneur, et merci de ce que tu chemines avec nous, est-ce que tu vas clôturer également avec nous tout au long de cette année. Nous nous attendons à voir, à vivre ta gloire et à marcher dans ta gloire. Bénis ton peuple ici présent, que nos cœurs soient disposés à recevoir ta pensée au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu, je vous prie de prendre place dans sa présence. Je vous salue tous dans le précieux, glorieux nom de Jésus. C'est pour moi vraiment une grâce, un honneur et un privilège d'être là, dans ma maison ici. Merci encore vraiment au Seigneur pour vraiment cette belle opportunité. Et merci aussi au couple pastoral Noéla Lumonde ainsi que maman. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, célébrer Dieu pour ses serviteurs? En fait, ta manière d'acclamer ne me convainc pas que tu es en train d'honorer. Nous devons honorer les tels hommes qui font un travail remarquable, un travail merveilleux. Pour nous, ce sont des modèles que nous aimons, que nous apprécions beaucoup. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse également tout le corps pastoral ainsi que
tous ceux qui travaillent au sein de cette église. Voilà, que le Seigneur soit béni. Alors, vous savez, des thèmes comme ça, ce n'est pas des thèmes faciles à exploiter. J'ai pris le temps, en tout cas hier soir, j'ai dormi je crois à 4 heures en train de prier, dit Seigneur, j'ai dit quoi? Qu'est-ce que tu veux que je puisse apporter encore en ce deuxième jour comme message? Alors, il m'a conduit sur un message, en fait, ça sera un compact de deux messages en un. Je vais faire comme si je donnais deux messages, mais en une seule parole. Et je crois que la grâce de Dieu va nous aider. Amen. Mon thème s'intitule « Christ, notre gloire ». Deux points au-delà du voile. Christ, notre gloire. Deux points au-delà du voile. Nous allons lire trois textes rapidement dans le livre de Colossiens. Servir de base et puis nous allons entrer dans le vif du sujet. Je vais beaucoup plus enseigner, donc préparez-vous à prendre vraiment des notes si possible, et puis peut-être prêcher juste un peu vers la fin. Alors nous sommes dans le livre de Colossiens, nous prenons le chapitre 1er, le verset 24 au verset 27. Colossiens chapitre 1er, le verset 24 au verset 27. C'est Paul qui parle. « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. » Car c'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la chasse que Dieu m'a donnée auprès de vous, et que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Colossiens 2, versets 1 à 3, Paul dit: je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage, n'est-ce pas, en la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation et qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Amen. Colossiens chapitre 3, et nous prenons le verset 4. La Bible dit: quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Amen. Comme vous savez, donc, le thème de notre année, de cette année 2022, intitule l'année de la gloire, sur toi sa gloire, donc apparaît. Nous voulons vivre, expérimenter la gloire de Dieu. Et on nous a parlé sur la gloire, on nous a défini la gloire, comment est-ce que la gloire, n'est-ce pas, devait se manifester. Et hier, par la grâce de Dieu, nous avons pu toucher l'aspect des exigences de la gloire de Dieu. Mais aujourd'hui, nous voulons aller dans une autre direction. Et celui qui parle ici est un apôtre, c'est Paul, un apôtre et un prédicateur de Jésus-Christ que Dieu avait touché, suscité, et qui va endurer beaucoup de souffrances pour exercer son ministère. Et Dieu avait permis à ce qu'il souffre beaucoup pour lui, pour que le poids de la gloire dans sa vie soit mesurable, je dirais encore, soit équilibré. Je dirais cela peut-être vers la fin, il y a des dimensions de gloire. Quand Dieu vous l'accorde, il vous impose aussi des échardes. Il vous impose aussi des limitations, des gênes en vous pour vous empêcher de vous enorgueillir, parce que facilement la gloire de Dieu peut nous emmener à l'orgueil. Et c'est ce qui s'est passé avec Lucifer lorsqu'il était encore, n'est-ce pas, au ciel dans la présence de Dieu. Il n'a pas su rester à sa place, il a voulu prendre la place de Dieu. Voilà pourquoi Dieu dira: qui je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un homme et mon honneur aux idoles. Et quelquefois, en tant qu'ambassadeur, en tant que messager, en tant qu'enfant de Dieu, conducteur ou constructeur des hommes, des femmes, selon la charge que Dieu nous donne, il nous impose certaines souffrances, et je voudrais que nous puissions considérer cela. Il y a une dimension de gloire qui est toujours associée à une dimension de souffrance.
Paul dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne seront être comparables donc à la gloire qui à venir, qui sera donc manifestée. Il dit aussi dans 2 Corinthiens 4, le verset 17 à 18, il dit, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Donc la gloire de Dieu, selon son poids, bien évidemment, est proportionnelle à un niveau de souffrance. Une grande gloire exigera aussi une grande dimension de souffrance, je dirais, un autre poids au niveau donc des souffrances. Et cela est la volonté de Dieu pour nous amener à mourir à nous-mêmes, pour que la gloire de Dieu soit visible et manifeste. Et Paul, ici, il parle de Christ comme étant un mystère. Ça, c'est la première des choses que je voudrais que nous puissions souligner. Il présente Christ à l'Église, ici, comme un mystère caché de tout temps et dans tous les âges. Je me suis posé la question, c'est quoi un mystère? Un mystère, c'est une chose qui est cachée. Un mystère, c'est une vérité qui est voilée, n'est-ce pas? Qu'on ne peut pas percer, qu'on n'arrive pas à accéder avec notre intellect, avec notre compréhension. Quand on parle de mystère, on voit l'ensemble des vérités qui sont occultées, qui sont donc voilées, cachées, qu'on ne peut pas percevoir. Et dans la Bible, il existe deux sortes de mystères. Il existe des mystères temporels, c'est-à-dire des mystères qui sont cachés, des choses qui sont cachées, mystérieuses, secrètes, tenues secrètes pendant juste une durée de temps et qui sont emmenées à être révélées ou encore dévoilées. Et c'est de ça qu'on parlera aujourd'hui, des mystères temporels, qui étaient un mystère pendant un temps. Maintenant, ça ne l'est plus. Mais il existe une deuxième sorte de mystère qu'on appelle des mystères permanents. C'est-à-dire des choses qu'on n'arrivera jamais à percer, à connaître, à disséquer, parce que tout simplement c'est mystérieux. Et c'est les questions de Dieu lui-même. Dieu reste un mystère. Dieu est un mystère incompréhensible. Vous ne pouvez pas le comprendre, vous ne pouvez pas le maîtriser. Comprendre Dieu fait de vous Dieu. Ce qui fait de Dieu Dieu, c'est que par moments il fait des choses, il agit des fois, on ne le comprend pas. Eh bien c'est ça qui fait de lui Dieu, et il restera Dieu, et il maîtrise toutes choses. On appelle un Dieu transcendant, il est au-dessus de tout, il est souverain, il est au contrôle de tout, rien ne lui échappe. Pour ton information, même Satan est sous son contrôle, même les démons sont sous son contrôle, même l'histoire du monde est sous son contrôle, il maîtrise tout. C'est pourquoi il a dit les choses cachées sont à l'Éternel, c'est-à-dire les mystères sont à Dieu, il s'entoure des mystères, mais les choses révélées sont à nous. Dieu est un mystère incompréhensible, insondable. Et Paul, par la grâce de Dieu, Dieu lui a donné la capacité de percer ce mystère temporel, qui est le mystère de Christ. On va essayer de comprendre pourquoi. Dans Éphésiens chapitre 3, versets 3 à 4, il est dit ceci. « C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En le lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence ou encore la compréhension que j'ai du mystère de Christ. » Je prie aujourd'hui que Dieu ouvre notre esprit, notre intelligence pour comprendre le mystère de Christ. Parce que la gloire en réalité, c'est en Christ. Tu connais Christ, tu connais la gloire. Tu es en Christ, tu commences à vivre, à expérimenter une dimension de gloire. Et Paul dit que c'est par révélation que Dieu nous donne un esprit de révélation dans sa connaissance aujourd'hui. Pourquoi? Parce que Christ était un mystère pendant un temps précis. Il était un mystère et c'est en Christ que se cachait la gloire de Dieu, cette gloire permanente. Voilà pourquoi Esaïe, prophétiquement, il annonce 8 siècles avant, il dit, lève-toi, sois éclairé, lève-toi et brille, car ta lumière qui est Christ arrive, car ta gloire est en train d'arriver. Je ne parle pas d'une gloire passagère que Moïse avait connue, mais je parle d'une gloire permanente. On ne vivra pas la gloire seulement en 2022, mais 2022, c'est la saison où la gloire s'ouvre, mais jusqu'au retour de Jésus. Oh, je croyais que je parlais à quelqu'un. Je ne vivrai pas la gloire seulement en 2022, c'est-à-dire dans cette année, je commence à rentrer dans une nouvelle dimension et ça m'emmène de gloire en gloire jusqu'au retour de Jésus-Christ. Amen. Une autre information que Paul nous donne ici, dans Colossiens 2, il dit « Christ est le mystère de Dieu ».
mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Ça veut dire que si tu veux connaître la gloire, vivre la gloire, expérimenter la gloire, tu dois juste découvrir Christ. Tu dois juste savoir qui est Jésus. Amen. Parce qu'en lui, il y a la connaissance. En fait, tout ce qui nous manque, en réalité, c'est la connaissance. Et tous les trésors de la connaissance, c'est en lui. Quelqu'un qui a la connaissance, c'est quelqu'un qui a déjà de l'avance sur d'autres. C'est pourquoi la Bible même dit que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Connaissons et cherchons à connaître l'Éternel. La connaissance de Christ est fondamentale si nous voulons vivre et expérimenter la gloire de Dieu. Pas une connaissance simplement théorique, mais une connaissance appliquée, où j'applique mon cœur, où je soumets mon cœur, où j'obéis à Christ, où je marche dans la foi en Jésus-Christ. Une question dont je me suis posée, pourquoi et comment Christ était-il un mystère? Pourquoi et comment? Alors nous allons faire un petit voyage de Genèse à Apocalypse et nous allons voir la sagesse de Dieu. Qui a un fil conducteur depuis le plan du plan de Dieu, je dirais depuis la Genèse jusque dans l'Apocalypse. Parce que le but de Dieu pour l'Église, c'est que nous vivions la gloire de Dieu. Nous sommes d'accord. Genèse 1, verset 26, la Bible dit, Dieu dit, créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, afin qu'il domine. Nous avons été créés à l'image de Dieu, couronnés de gloire et de magnificence dans un seul but. C'est de dominer. Là où il y a la gloire, il y a la domination, parce que la gloire, c'est le poids. C'est le poids qui écrase. Quand le poids arrive, ça écrase. Oh, je vois des choses qui vont commencer à s'écraser sur ton passage à cause du poids de la gloire de Dieu. Créons l'homme à notre image. Le mot image en hébreu veut dire tselem. Tselem signifie littéralement figure, ombre ou encore reflet. Quand Dieu dit « créons l'homme à notre image », il voulait simplement dire que l'homme doit être à l'image de Dieu qui n'est rien d'autre que Christ. Oui. Colossiens 1, verset 15 nous dit « Le Fils, en parlant de Christ, est l'image du Dieu invisible. » Créons l'homme à l'image de Dieu. Donc le but de Dieu, c'est que moi et toi, tels que nous sommes, que nous ressemblions à Christ. Il est possible de vivre la gloire de Dieu dans la dimension des œuvres sans vivre la gloire de Dieu dans la dimension de sa nature. Or, Dieu veut joindre la nature aux œuvres. Dieu peut te guérir, mais si tu n'as pas changé de vie, tu as vécu la gloire de Dieu dans les œuvres de Dieu. Mais toi-même, la gloire ne t'a pas pénétré pour te changer et faire de toi à l'image de Christ. Or, Dieu veut concilier les deux. Est-ce que quelqu'un me suit? Hébreux 1, verset 3, la Bible dit, « Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. » Quand on parle du Fils, on voit donc Christ. Il reflète parfaitement la gloire de Dieu. Il est le reflet de sa gloire. Romains chapitre 8, verset 9, regarde, 29, pardon. Regardez maintenant ce que Paul va dire, ce qui concerne notre appel. Et là, je voudrais m'adresser à tous ceux qui veulent savoir quel est mon appel. Dieu m'appelle à quoi? Il ne t'appelle pas d'abord à être apôtre, pasteur. Il t'appelle d'abord à être à l'image de son Fils. Oh! Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Le but ultime de Dieu, c'est que nous puissions retrouver l'image de Dieu qui avait été perdue. Quand l'homme a été créé à l'image de Dieu, il est devenu, l'habitation de Dieu. Et l'homme va devenir le porteur de la gloire de Dieu. C'était ça, Adam. Et regardez, la gloire de Dieu dans la vie d'Adam a emmené trois choses. Trois choses importantes à savoir. La première de choses, cette gloire a emmené la connaissance parfaite de Dieu. Parce que Dieu venait chaque soir rencontrer l'homme dans le jardin. Il pouvait communier avec Dieu. Hier, on a vu des aspects de la gloire. Un aspect qu'on a détaillé hier, c'était le feu. Dieu est un feu dévorant.
Adam ne pouvait pas avoir peur parce qu'il était de la même nature que Dieu. Il pouvait causer avec Dieu, il pouvait communier avec Dieu. Quand la gloire arrive, quand tu rentres dans la dimension de la gloire, tu commences à devenir intime à Dieu. Tu aimes l'intimité, tu aimes la présence de Dieu, tu aimes être près de lui. Mais cela change après lorsqu'on s'éloigne. Deuxième chose, lorsque la gloire arrive, tu commences à dominer. Voilà pourquoi l'homme commençait à dominer. Dominer veut dire gouverner. Dominer veut dire commander. Dominer veut dire régner. La raison pour laquelle il pouvait donner des noms aux animaux et les animaux lui obéissaient. Il appelle le lion vient. Entre nous, toi et moi, tu es capable d'appeler un lion aujourd'hui, lion vient. Déjà quand on voit le lion là, ça veut dire qu'il y a une dimension de gloire qu'on a perdue. Oh, je bénis Dieu pour Daniel. Daniel était dans la dimension de la gloire. Même dans la fosse aux lions, les lions étaient muselés. Alléluia. Troisième chose que la gloire doit emmener, c'est l'extension du règne de Dieu. Cette extension commence par la bénédiction. Voilà pourquoi la gloire est attachée à la bénédiction. Quand Dieu a dit ce créant l'homme à notre image, ensuite la Bible dira qu'il va les bénir. Dieu les bénit. Tu ne peux pas t'étendre sans la bénédiction. Et la gloire a pour but de nous étendre. Étendre le règne de Dieu, la gloire de Dieu sur la terre. Et il commence en disant, soyez féconds. Être fécond, c'est être fertile. Être fécond, c'est être prospère. La gloire amène la prospérité. La gloire amène la fécondité. La gloire n'amène pas la stérilité. Deuxième chose, il dit multiplier. Oh, quand je parle de la multiplication, je vois la productivité. Quand la gloire arrive, tu deviens productif. Tu ne restes pas, tu ne restes pas singleton. Tu te multiplies. Et il dit, remplissez la terre, c'est-à-dire comblez la terre. Il n'y a pas un espace qui doit rester vide, car Dieu a horreur du vide. Il dit, même la terre sera remplie de la gloire de Dieu. Il faut que ta maison soit remplie de la gloire de Dieu. Il faut que tes projets soient remplis de la gloire de Dieu. Tout en toi doit être rempli de la gloire de Dieu. Oh, je refuse que ma maison soit vide. Je veux que ma maison soit remplie. Je veux que ma maison soit remplie de la gloire de Dieu. Que mon cœur soit rempli de la gloire de Dieu. Et puis il dit, assujettissez la terre, c'est-à-dire soumettez-la. Devenez des vainqueurs. La gloire de Dieu te donne la capacité d'être un vainqueur. Tu ne peux plus être vaincu par le mal. Tu ne peux plus être vaincu par le péché. Tu deviens vainqueur. Je suis quelqu'un qui soumet tout. Tout ce qui n'est pas de Dieu est soumis. D'ailleurs, tu dis tout est sous tes pieds. C'est ça la gloire. Le poids de la gloire fait que tout est sous mes pieds. Il a dit, je vous ai donné le pouvoir même de marcher sur le serpent, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Tout est sous tes pieds. Mais regardez qu'est-ce qui va se passer, une déchéance. Genèse 3, il va y avoir un changement, d'ordre. Le péché qui a amené la décadence, plutôt la déchéance et le chaos. Dans Genèse 3, l'homme va perdre sa position élevée du maître qu'il était, il devient esclave. À chaque fois que l'on pêche, à chaque fois qu'on laisse le péché prendre la place, on perd la gloire de Dieu. Il dit tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Le péché nous prive de la gloire de Dieu. Et Dieu était obligé de chasser l'homme du jardin. Et quand, avant même que Dieu le chasse l'homme, alors qu'ils avaient péché, la Bible dit qu'ils vont se cacher derrière. Ils vont entendre la voix de Dieu qui venait. Adam, où es-tu? La même voix qu'ils avaient l'habitude d'entendre parce qu'ils étaient dans la gloire. Cette voix est devenue redoutable. Vous savez pourquoi? Parce que la voix de Dieu, rien que sa voix, c'est la gloire. Oh, j'ai découvert dans Psaume 29 que même la voix de Dieu, c'est la gloire. La voix de l'Éternel fait trembler les montagnes. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. La voix de l'Éternel brise les cèdres du Liban. La voix de l'Éternel fait en sorte que les fondements de la terre s'ébranlent. La voix de l'Éternel est comme du tonnerre. Et l'homme, dans sa condition du péché, ne pouvait plus la supporter. Il a préféré se cacher loin de Dieu. Pourquoi? Parce que sa nature, sa condition n'était plus conforme à celle de Dieu. Le feu dévorant venait pour lui, pour eux, je dirais, pour les consumer.
Ils ont eu peur. Ils se sont cachés et ils étaient nus. Voilà les trois conséquences de lorsque la gloire nous quitte. Trois choses. La peur, l'éloignement, la nudité. Et nous verrons qu'il y a une église qui est devenue nue. Et Dieu nous prévient. Alléluia. Et qu'est-ce qui va se passer? Dieu chasse l'homme. Et quand il le chasse, il place des chérubins, on a vu hier, avec une épée flamboyante, pour empêcher l'homme d'entrer dans le jardin et prendre l'arbre de vie et manger et rester dans la mort. En fait, les chérubins qui étaient là, qui agitaient une épée, sont devenus en réalité un voile. Et le voile, c'est ce qui les empêche d'entrer au cœur de la gloire de Dieu. Est-ce que tout le monde me suit? Note une chose, le voile. Qu'est-ce qu'un voile? Par définition, le voile est un morceau d'étoffe qui est destiné à cacher. Le voile, c'est ce qui cache quelque chose. C'est ce qui couvre quelque chose. Et les chérubins cachaient l'accès. Le chemin était fermé, barricadé. L'accès n'était plus possible. Pourquoi Dieu devait-il se cacher? Pour deux raisons. La première raison, parce que sa nature éclatante, lorsqu'elle serait en approche avec la nature pécheresse, faite de faiblesse de l'homme, allait automatiquement la consumer, le détruire. Donc par amour, il a préféré se cacher. Cacher sa gloire. Il aime l'homme, mais il cache sa gloire pour que l'homme, dans sa condition de péché, n'ait pas accès. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, il cache sa gloire parce que la nature de l'homme ne peut plus supporter la gloire de Dieu pour protéger l'homme. Donc le voile cache Dieu, cache la gloire de Dieu et protège l'homme dans sa faiblesse. Et à partir de ce moment-là, Christ devient un mystère. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Personne ne peut plus le voir. Maintenant, comment il fait pour se manifester aux gens? On parle de la théophanie. Il vient, il prend des aspects d'ombre, des aspects de ceci, feu, huile, tout ce que vous voulez, vent, toutes ces choses pour se présenter à l'homme. Mais Dieu dit, quand il appelle Moïse, il dit, vous me ferez un sanctuaire et je voudrais habiter au milieu de vous. Parce que le but de Dieu, c'est que sa gloire soit au milieu de son peuple. Mais Moïse devait respecter le protocole. Exode chapitre 25. Il a construit le tabernacle et il devait y avoir l'arche qui devait symboliser la gloire de Dieu au milieu de son peuple. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il donne comme recommandation à Moïse de fabriquer deux voiles. Exode 26. Il y avait un voile extérieur, ce qui séparait le parvis là où le peuple venait et le lieu saint là où le sacrificateur entrait en tout temps faire le sacrifice. Et il y avait un deuxième voile qu'on appelait le voile intérieur qui séparait le lieu saint du lieu très saint, là où il y avait la gloire de Dieu. Là où il y avait la Shekinah de la gloire de sa présence était là. Et le deuxième voile, quand vous lisez Exode chapitre 25, on y représentait, on y a dessiné des chérubins. Waouh! Regardez Exode chapitre 26, verset 31. Il a dit ceci, tu feras un voile bleu, pourpre et cramoisi et de fin lin retors. Il sera artistement travaillé, c'est-à-dire ce sera dans l'excellence. Bien-aimé, tout ce que tu fais pour Dieu doit être excellent. Oh, tu n'as pas donné un bon amen. On en a assez avec la médiocrité. J'ai découvert dans la Bible que Dieu est un Dieu d'excellence. Quand je médite la Nouvelle Jérusalem, je ne vois pas des papiers qui traînent par terre. Mais pourquoi nous sommes médiocres? Il y a un problème de gloire dans notre conception. Quand tu comprends la gloire, tout ce que tu vas faire doit être excellent. Moïse naît, la Bible dit l'enfant était beau. Pourquoi la Bible insiste sur la beauté? Bon, ok, ça c'était un autre message. Parole d'Isaïe doit être très beau. Les chrétiens doivent être très beaux. D'abord à l'intérieur, ensuite à l'extérieur. Parce que si l'intérieur est net, si l'intérieur est nettoyé, l'extérieur sera net. Beaucoup de gens nettoient d'abord l'extérieur alors que l'intérieur c'est pourri. Non, d'abord l'intérieur. Il y a un effet entre de l'intérieur vers l'extérieur. Quand mon intérieur est nettoyé, attention, l'extérieur sera aussi net. Sinon je suis un tombeau blanchi. Dieu représente
des chérubins sur le voile intérieur. Bien-aimé, personne ne pouvait entrer dans ce lieu-là excepté le souverain sacrificateur. Une fois l'année, le jour de Yom Kippour, pour faire le pardon de péché, l'expiation de péché, pardon. Et il devait avoir des clochettes et une corde qui le tenait. Au cas où il mourait à l'intérieur, qu'on le tire derrière. Pour nous montrer à quel point la gloire de Dieu est quelque chose de très sacré. Amen. Et ça a duré longtemps. Et là, Dieu se demande, Dieu me disait, mais comment est-ce que cette situation allait être réglée? Dieu a laissé le temps passer. Mais il avait prévu dans son agenda qu'un jour, quelqu'un viendrait. Je dirais plutôt, un jour, lui-même, le Dieu de gloire, viendrait. Il viendrait régler ce problème que l'homme n'a pas pu régler. Alléluia. Voilà pourquoi Paul parle des mystères cachés de tout temps et de tous les âges. Galates chapitre 4, verset 4, Paul nous dit ceci. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, c'est-à-dire Christ, la gloire, né d'une femme et né sous la loi. Ici encore, Paul confirme que Christ, qui devait venir, en réalité, c'était la révélation de ce mystère. Parce qu'il dit ailleurs que le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Donc Dieu a quitté, en d'autres termes, son état d'esprit et il est venu habiter dans un corps qu'on appelle l'incarnation. Il n'a pas laissé sa divinité. Non, il était Dieu. Et en même temps, il a formé un corps pour que les deux soient ensemble pour un but, pour une cause. Pour que toi et moi, nous puissions jouir de cette gloire. Alléluia. Jean chapitre 1, verset 14. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Oh, j'aime la suite. Nous avons contemplé sa gloire. Nous avons contemplé son kabod, une gloire comme la gloire du Fils unique venu de Dieu le Père. Dieu le Fils, l'image du Dieu invisible, le Christ dans sa gloire est venu dans la chair. C'est pour confirmer une prophétie encore d'Ésaïe. Ésaïe qui dit, qui est le prophète messianique, lève-toi car ta lumière arrive, parlez de beaucoup de choses concernant Christ. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 9, verset 5 que nous connaissons, il dira, il va annoncer, car un enfant nous est né. Mais Dieu ne naît pas, Dieu est éternel. C'est-à-dire qu'il fallait que Dieu puisse venir en forme de chair. Il n'a voulu ni holocauste ni offrande, mais il m'a formé un corps. Et le corps, c'était ce voile qui devait casser maintenant Dieu à l'intérieur pour ne pas tuer les hommes. Un enfant nous est né, mais un fils nous est donné. Alléluia. C'est-à-dire le Fils vient du ciel. Le Fils est Dieu. Il est éternel. Il est le Créateur. Et on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Et dans Ésaïe chapitre 7, le verset 14, il dira, et la Vierge deviendra enceinte, et elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom de Emmanuel. Dans le nom Emmanuel est composé de trois mots. On peut le subdiviser en trois. M qui veut dire dans, Manu qui veut dire homme, et elle qui veut dire Dieu. Donc Ésaïe voit déjà Dieu qui devait venir dans l'homme. Est-ce que quelqu'un me suit jusque là? Quand je parle de Dieu, je vois la gloire. Mais pas une gloire visible, mais une gloire qui devait venir se cacher dans un voile pour que les hommes ne puissent pas le voir et être détruits. Il a plu à l'Éternel que toute plénitude habite en lui. En lui, Jésus habitait corporellement, c'est-à-dire dans ce corps, toute la plénitude de la divinité. Alors, quelque chose m'a frappé là. Je vois deux choses, je vois deux dimensions. La première dimension, ou encore dans les deux, dans la réalité du voile, c'est que de manière visible, de manière physique, quand Jésus est né, il n'avait pas d'éclat. Ésaïe 53 nous dit, qui a cru à ce que nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Parce qu'il était un voile. Le voile caché. Le voile comme ça. Il cache ce qui est derrière. Personne ne pouvait voir ce qui était à l'intérieur. Est-ce que quelqu'un me suit? Il n'avait pas d'aspect.
Il n'y avait pas de beauté. Il ne pouvait pas attirer. Attention, la gloire peut être là, mais tu peux ne pas la voir. Parce qu'elle n'est pas d'abord visible à l'œil nu. Quand il y a un voile, tu ne verras pas là où la gloire est. Je dis bien la gloire, ce n'est pas le bling-bling. Il n'avait ni beauté, ni éclat. Alors que la gloire, c'est la beauté. Mais le voile, il n'y avait pas de beauté, il n'y avait pas d'éclat. La gloire n'était pas en apparence. Et la Bible déclare, son aspect n'avait rien pour nous plaire. La conséquence, on l'a méprisé. Tout comme la gloire peut être dans la maison, on méprise la gloire. Quelqu'un peut marcher dans la gloire, mais on regarde, mais il est mal habillé, il ne s'habille pas avec des vêtements de marque. La gloire, ce n'est pas les vêtements de marque. Tu peux avoir des vêtements de marque et être Ichabod, sans gloire. Oh, je te conseille aujourd'hui d'avoir d'abord la gloire. Tout le reste vient après. Est-ce que quelqu'un me suit aujourd'hui? Ah, ils l'ont méprisé, ils l'ont abandonné. Ils l'ont dédaigné. Quelquefois, on est dédaigné parce que les gens qui nous entourent n'ont pas le discernement de ce que nous portons. Mais un jour, ce que je porte sera visible. Un jour, ce que je porte sera manifeste. Mais j'aime une chose, c'est que le même Jésus, qui en apparence n'avait pas de gloire, il a dit, je vous donne rendez-vous sur la montagne. Oh, tu ne m'as pas compris, je vous donne rendez-vous sur la montagne de la transfiguration. Oh, quand il prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, et la Bible dit, il était là sur la montagne, pendant qu'il priait. C'est pourquoi j'ai constaté que la prière est un activateur de la gloire de Dieu. La prière est un déclencheur de la gloire de Dieu. Elle est à l'intérieur, mais elle n'est pas visible. Mais quand tu commences à prier, c'est pourquoi 21 jours, 28 jours, tout le mois, c'est un mois de jeûne et prière pour que la gloire que Dieu a déposée dans la vie de ceux qui portent la gloire devienne manifeste. Et pendant qu'il priait, dis avec moi, pendant qu'il priait, oh, quelque chose va se passer. Ses vêtements vont devenir blancs. Oh, il va y avoir des aspects extérieurs de la gloire qui était cachée à l'intérieur. Et la Bible déclare, son visage va commencer à rayonner. Comme Moïse, lorsqu'il est monté sur la montagne, il descendait, son visage rayonnait, s'étillant de gloire. Comme quand Étienne, oh, dans les Sanhédrin, tout le monde a fixé les regards sur Étienne. Ils ont vu que son visage paraissait comme celui d'un ange. Oh, je prie que les gens puissent découvrir la dimension de gloire qui est cachée dans un corps que les gens voient, mais qu'ils peuvent mépriser. Bien-aimés, et là, la Bible dira que Moïse et Élie vont apparaître dans la gloire. Oh, alors qu'ils étaient assoupis, les disciples étaient assoupis, lorsqu'ils lèvent les yeux, ils voient Jésus dans sa gloire. Bien-aimés, c'était le même Jésus qu'ils méprisaient, mais arrivé à la montagne, c'était un Jésus glorieux, un Jésus qui a fait découvrir ce qui était à l'intérieur. Je vais encore te dire une chose. Les gens pouvaient les banaliser, mais les démons, quand ils voyaient Jésus, ils avaient peur. Parce que la gloire est d'abord spirituelle. Quand tu portes la gloire, tu as un poids. Quand tu arrives, oh, quand Jésus arrivait quelque part, il faisait trembler l'enfer. Jésus faisait trembler la maladie. Oh, je ne parle pas à quelqu'un ici. Quand il approchait, tu étais malade, tu étais guéri. Ah, quand Jésus approche, tu es possédé. Les démons partent. Les démons eux-mêmes disent, qu'y a-t-il entre toi et nous? Jésus disait, taisez-vous, je ne veux pas que vous révéliez qui je suis. Oh, cette année, ça va être la découverte de la gloire que Dieu a déposée en toi. Parce que les gens ne te connaissent pas dans cette dimension. Amen. Amen. Dis avec moi, Christ est ma gloire. Et laissez-moi vous dire, cette gloire, pour qu'elle devienne pleinement visible, il fallait passer par ce que j'appelle la croix. Et je voudrais que tu soulignes ça en grand, parce que le process, c'est le process que chacun de nous doit passer, par lequel il doit passer. La croix. La croix, c'était le tremplin de la gloire. Oui, la croix dont je parle, il est question de la mort de Jésus, de son ensevelissement et de sa résurrection. Et vous lirez dans le livre de Matthieu 27, 45 à 51. On n'aura pas le temps de lire, notez juste la référence. Matthieu 27, 45 à 51. On nous dit que Jésus va être pendu au bois de la croix. Pendant 6 heures, il sera là. Les 3 dernières heures, il va y avoir les ténèbres qui vont remplir, n'est-ce pas, la terre. Et après, il va crier, Eli, Eli, lama sabachthani. Et quand Jésus rend l'âme, quand il rend l'esprit, quand son corps, qui était le voile à la croix, va être
déchiré. La Bible me dit que le voile du temple aussi s'est déchiré de haut en bas. Quelle corrélation! Il meurt, son corps qui était le voile déchiré à la croix, le voile du temple se déchire de haut en bas. C'est pour dire que l'accès est ouvert. Non, je croyais que je parlais à quelqu'un. L'accès à la gloire depuis la croix est désormais ouvert. Hébreux 10, 19 à 20 nous dit: ainsi donc, frères, nous avons par le moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route vivante et nouvelle qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile de sa chair. Oh là, la Bible précise, pour toi qui doutais un peu, que la chair de Jésus, en réalité, c'était le voile qui cachait Dieu, qui cachait la gloire, qui cachait la divinité. Bien-aimé, j'ai une bonne nouvelle. C'est que Jésus-Christ n'est pas seulement mort. Jésus-Christ n'est pas seulement resté dans le tombeau. La Bible dit que 3 jours après, il est sorti du tombeau vivant. La Bible dit 3 jours après, il est ressuscité. Nous prions le ressuscité. C'est-à-dire le ressuscité n'est plus voilé. Le ressuscité, il est révélé. Oh, je disais à parole du salut, le ressuscité n'est plus caché. Le ressuscité, il est présentable. Il est visible. Il est palpable. Nous sommes dans une dimension où la gloire ne peut plus rester cachée, elle doit maintenant devenir manifeste. C'est pourquoi j'annonce, je déclare et je décrète le temps, la saison de la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Amen. La gloire doit se manifester. C'est pourquoi la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, on ne dit pas si quelqu'un est en Jésus. Tu n'as pas bien compris. Pour toi, Jésus, c'est Christ. Jésus, c'est la dimension homme. Christ, c'est la dimension divine. La dimension de la gloire. On dit, si quelqu'un est en Christ, y a-t-il des gens qui sont en Christ ici? Non. Je ne parle pas en crise, mais je parle en Christ. Je ne parle pas de ceux qui sont dans la crise du COVID. Je parle de ceux qui sont en Christ. Y a-t-il quelqu'un qui est en Christ ici? La Bible, si tu es en Christ, pas d'abord tu fais des grandes choses. Tu deviens une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. La gloire de Dieu te change de l'intérieur. La gloire de Dieu ne fait pas de toi une créature améliorée, mais une nouvelle créature. Oh, si hier j'étais un singe, maintenant je chante de nature. Je ne suis pas un singe avec les ailes, mais je deviens un aigle. Oh, y a-t-il des aigles ici? Y a-t-il des gens qui vont voler haut? Allez loin, je suis devenu une nouvelle créature. Oh, check ton voisin comme ça, dis-lui bonjour, nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Amen, amen. Amen, amen. Je finis par 2 choses. Importante à noter. Comment faire pour manifester cette gloire? C'est là la grande question. Ce n'est pas de dire je suis venu à Christ. C'est là où nous échouons. C'est là le dilemme. C'est là où le bas blesse. C'est là où c'est difficile. L'Esprit de Dieu m'a révélé 2 choses majeures que je vais aller rapidement. Première chose que tu dois faire, et ça ce n'est pas lui qui va le faire, lui il a déjà tout accompli. Première des choses, tu dois crucifier ta chair. La chair, c'est ton ego. La chair, c'est le moi. C'est ta volonté propre qui veut commander ta vie. La chair est contraire à l'esprit. La chair est contraire à Dieu. La chair, ce sont tes 5 sens qui te conduisent, qui te dirigent. Et tu dois le crucifier. Et Paul nous donne cette révélation. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Mais si je vis maintenant, ce n'est plus moi. Quand il dit moi là, c'est ego, c'est la chair. Ce n'est plus ma chair, Paul, qui vit, mais ce Christ, la gloire qui vit en moi. Donc, il est impossible de manifester la gloire de Dieu comme Dieu le veut tant que tu vis. Voilà pourquoi, même au temps d'Ésaïe, pour que la gloire soit manifestée, il fallait que Ozias meure. Quelque chose doit mourir en toi pour que la gloire devienne visible, manifeste et palpable. Mais nous avons à l'église des gens qui veulent la gloire, mais qui ne veulent pas mourir à eux-mêmes. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? La chair est ton ennemi numéro 1. C'est l'obstacle de la gloire de Dieu. Et ça devient un allié de Satan. Voilà pourquoi Paul dit ceci. Il dit, les choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte, comme de la boue, pour gagner Christ. À cause de l'excellence, de la connaissance de Christ, j'ai renoncé. Mon ami, tu dois renoncer.
Il est impossible, enfant de Dieu, d'entrer dans une dimension de gloire sans renoncement. À chaque niveau de gloire correspond à un niveau de renoncement à soi. Tu dois renoncer. Regarde ton voisin, dis-lui, tu dois renoncer. Je sais que tu as le masque, je sais, je suis conscient. Dis-lui simplement que tu dois renoncer. Deuxième chose importante, tu dois veiller sur la séduction de Satan. Oh, c'est là où c'est plus subtil. Parce que Satan, alors que Christ est dévoilé, Christ nous est révélé par l'évangile. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient voiler l'évangile. Paul dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour ceux dont le Dieu de ce siècle, qui est Satan, a aveuglé l'intelligence. Donc Satan vient mettre un voile pour que tu ne découvres pas les secrets, les mystères cachés de la gloire de Dieu, pour que tu restes esclave. Et Paul avait averti les chrétiens. Il leur dit, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent à la simplicité à l'égard de Christ. Christ, c'est la gloire. Le diable veut nous détourner de Christ. Bien-aimé, il a réussi. Alors que je suis en train de finir, il a réussi. Le diable a réussi. Quand je lis Apocalypse 1, 2, 3, je m'aperçois que le diable a réussi. L'Apocalypse 1, on nous parle de la révélation de Jésus. On nous dit que Jésus marchait au milieu de ce chandelier d'or, c'est-à-dire au milieu de son église. Et l'église, ce n'est pas avoir un bâtiment, c'est toi et moi, des pierres vivantes. Jésus était au centre. Quand on dit qu'on est au milieu, on est au centre. C'est Jésus qui doit être aux commandes. La gloire de Dieu, c'est laisser Dieu commander ta vie. Le Saint-Esprit dirige ta vie. Il dit à Pierre, quand tu étais jeune, tu te saignais toi-même, tu allais où tu voulais. Quand tu deviendras vieux, quelqu'un d'autre te saignera et t'emmènera où tu ne voudras pas. Ça veut dire que c'est la mort à soi. Il marchait au milieu, mais le diable est venu mettre un voile à l'église. Et quand je lis l'esprit de cette église, cinq d'entre elles sont tombées dans les pièges de Lucifer pour occulter la gloire de Dieu. Voilà pourquoi Jésus les reproche. Il parle à l'église d'Éphèse. Il dit, ce que j'ai contre toi, église d'Éphèse, ce que tu as abandonné ton premier amour. Cette église avait oublié l'amour. Elle avait oublié qu'il fallait aimer. Ça sert à quoi d'avoir la gloire de Dieu si tu n'aimes pas ton frère? S'il n'y a pas l'amour du prochain, l'amour d'un plus grand homme se refroidira. La gloire de Dieu va partir parce que l'unité, la gloire amène l'amour. L'unité, la gloire, c'est pour nous unir, nous emmener d'aller ensemble comme un seul homme, atteindre le but et les objectifs de Dieu, réussir la mission, gagner des âmes, terrasser les œuvres du diable et glorifier Jésus. Il nous donne sa gloire pour sa gloire. Il ne nous donne pas sa gloire pour notre gloire. Je peux m'exprimer encore? Il ne nous donne pas sa gloire pour notre gloire, mais c'est pour sa gloire. Seigneur, en cette année, donne-nous la gloire pour ta gloire. Alléluia. Nous devons toujours tout faire pour la gloire de Dieu. Et l'église d'Éphèse est passée à côté. Elle était rentrée dans l'activisme. Elle a perdu la relation. Elle a perdu la communion. Plus de miséricorde, plus de compassion. Dieu a reproché cette église. L'église de Pergame, où Satan était assis. C'est pourquoi je vous dis, je vous amène de Genèse à Apocalypse. Là, nous sommes à Apocalypse. Je suis en train de finir. Il y avait la doctrine de Balaam. Quand on parle de doctrine, on voit l'enseignement, la manière de faire et d'agir. Balaam qui était un prophète de Dieu, mais qui va corrompre son ministère et son appel à cause des présents et à cause des honneurs des hommes. Attention, les pharisiens ont aimé la gloire des hommes plutôt que la gloire de Dieu. La gloire de Dieu passe par la mort, la gloire des hommes passe par les honneurs. Tu cherches la gloire de Dieu, on peut te crucifier, mais sache une chose, tu finiras par être honoré. Mais un honneur qui est éternel. Mais toi qui cherches les honneurs sur la terre, ça passera. Tout ce qui est terrestre est passager. Alléluia. Elle a perdu l'esprit de révélation. Il a quitté le droit chemin, suivi la voie de Balaam et s'est égaré dans le salaire de l'iniquité. Séduction du diable pour que cette église ne vive plus la gloire de Dieu.
Quelles sont tes motivations quand tu veux servir Dieu? Quelles sont tes motivations quand tu veux faire des choses? Bien-aimé, il y a eu des moments où Dieu a éprouvé mon cœur. Quand je faisais quelque chose, Dieu dit non, ça tu ne le fais pas pour moi. Et quand il y avait des honneurs, je prenais tout, je donnais. Pourquoi? C'est un piège pour mon propre cœur. Et là, chacun doit se regarder devant le miroir de la parole et que le Saint-Esprit l'éclaire. Troisième chose, l'église de Thyatire. Jézabel est rentrée travailler en sourdine. On a laissé Jézabel nous approcher. Jézabel, qui est une entité satanique et qui veut établir une autorité contraire à celle de Dieu et qui vient pour renverser l'autel, le culte de Dieu, pour établir un culte faux où on adore Dieu des lèvres, mais notre cœur est éloigné de Dieu. En apparence, on a des beaux cantiques. Est-ce vraiment le cœur de Dieu est touché? Dans Malachie, il a dit, éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Quelquefois, lorsque le cantique ne touche pas le cœur de Dieu, ça nous fait du bien, mais ça ne réjouit pas le cœur de Dieu. Nous devons réjouir le cœur de Dieu. Jésus doit rester au centre de notre adoration. J'ai dit à un couple, j'ai dit, nous avions décrié certaines choses avec vous. Aujourd'hui, vous vous mélangez avec les païens pour chanter à la gloire de qui? Je me détache. Ne mélange pas ton adoration. Ne mélange pas ta spiritualité. Mais c'était un fardeau dans mon cœur pour dire on doit remettre l'arche au centre de nos cœurs et de nos vies. Jézabel a pris le contrôle. C'est un esprit qui enlève la vérité, la voix de la vérité. Il tue les prophètes pour faire croire au mensonge. La vérité reste la vérité. Tu dois l'aimer, je dois l'aimer. Et ensemble, nous devons l'aimer. Dans l'église de Sardes, il a emmené la mort. Par le péché, la tolérance au péché, la mondanité. Le monde est entré dans nos cœurs. Le monde est entré dans nos maisons. Quand je parle du monde, je parle du système de pensée. Alors que Dieu dit, ne vous conformez pas au siècle présent. On se conforme. Nous devons nous adapter et non nous conformer au temps présent. Jamais. Et l'esprit du monde est entré dans nos cœurs. Et la conséquence, c'est Ichabod. Parce que Dieu ne partage pas sa gloire. Alléluia. Les coutumes et les traditions humaines. Et enfin, Laodicée. Alors là, Laodicée, ça sera dramatique. Le Jésus qui marchait au milieu se trouve en dehors. Qu'est-ce qui s'est passé pour que la gloire qui était au milieu se retrouve à l'extérieur? Dieu m'a posé cette question. Qu'est-ce qui s'est passé pour que cette gloire se retrouve à l'extérieur? Cette église se disait riche. Elle n'a plus besoin de rien. Quand elle est arrivée, quand tu penses que la gloire de Dieu, c'est le succès, tu t'es trompé. Quand on pense que, parce que sinon, Jésus, parce que la Bible dit en parlant de Jésus, Dieu lui montrait par quelle gloire, par quelle mort il glorifierait Dieu. Des fois, notre mort glorifie Dieu. Aujourd'hui, le succès, Dieu donne le succès, je le sais, je le crois, je le prêche. Mais ce n'est pas d'abord ça. Sans la gloire de Dieu, notre succès est vain. La grandeur, l'élévation, les richesses, l'argent. Et c'est de dire, je n'ai besoin de rien, je suis arrivé. Et ça, c'est le piège de la bénédiction. Quand Dieu te bénit, attention de ne pas s'accrocher à la bénédiction, mais au Dieu de la bénédiction. Reste attaché à celui qui est ta source. Et cette source était dehors. Et là, c'était Ichabod. Il dit, je te vomirai. Jésus-Christ a vomi cette église. Mais à cause de sa compassion, il dit, non, je ne peux pas laisser. Parce que je dois marcher au milieu de mon peuple. Il vient, il dit, je me tiens à la porte. Quelle porte? Pas du cœur d'abord. De l'église. Et je frappe. Il se frappe au cœur, à ton cœur. À la porte de l'église. Ma vie, ma maison. Où est Jésus? Est-ce qu'il est au centre? Est-ce que la gloire est là? Je peux vivre les effets de la gloire sans que le Dieu de gloire soit là? Non. Comme Moïse a dit, si tu ne montes pas toi-même avec nous, ne nous laisse pas partir. L'ange nous donnera la victoire. Mais si toi, tu n'es pas là, ça ne sert à rien. Et là, il me dit, sois comme l'église de Philadelphie.
et l'église de Smyrne. Attaché à la parole, attaché à Christ, fidèle jusqu'à la mort, que rien ne te déroute de l'objectif. Christ doit rester l'objectif. C'est pourquoi Paul dit, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus-Christ. On doit le voir au travers de moi. Si on ne le voit plus, je ne suis plus digne de me tenir ici debout. C'est Christ qu'on doit voir. Quand tu te lèves pour prêcher, quand tu te lèves pour chanter, quand tu te lèves pour servir Dieu, dis que je diminue et que Christ croisse. Dis que je diminue et Christ croisse. Dis que je diminue et Christ croisse. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Et Christ éclairera. Alors que je finissais de préparer ce message tout à l'heure, Dieu m'a dit d'appeler l'église à la repentance. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout ensemble, s'il vous plaît? Prends la position que tu veux. Pendant juste 2 minutes, j'ai un peu débordé, vraiment. Toutes mes excuses. Juste 2 minutes. Je voudrais que tu puisses, toi-même tu connais ta vie, tu connais ton cœur. La gloire, on va vivre les bienfaits. Miracle, guérison, tout ça c'est bien. Oui, c'est bien. Mais si lui n'est pas là, ça ne sert à rien. Est-ce que tu peux lever ta voix? Juste une seconde, quelques minutes pour parler. Élève ta voix. Élève ta voix. Seigneur, j'ai délivré ta parole comme tu me l'as instruit, Seigneur. Cette parole qui est pour moi-même. Je prie, Seigneur, que je puisse prendre conscience que la gloire, c'est Christ. Le voile étant déchiré, je n'ai pas le droit de laisser ma chair ni Satan remettre à nouveau le voile pour occulter cette gloire qui doit être visible. C'est le temps où la gloire de Dieu doit être visible sur la terre. Tu nous l'as dit, lève-toi et brille. Lève-toi et sois éclairé car ta lumière arrive. Les mondes, les nations marchent dans les ténèbres. Mais tu dis sur toi, sa gloire apparaît. Je ne veux pas laisser ma chair. Je ne veux pas laisser Satan occulter la gloire que tu veux susciter et lever tout au long de ce temps. Seigneur, tout au long de cette année, au travers de nous. Là où la gloire s'était retirée, je me répands, je te demande pardon. Purifie-nous par ton sang précieux et que la gloire revienne à la maison. Et que la gloire revienne à la maison. Alléluia. Alléluia. Nous parlons à Dieu pendant ces quelques moments. Toute forme de voile qui peut couvrir ta vie, c'est le temps de ôter les voiles. Afin que sa gloire brille. Christ est notre gloire. Christ est notre gloire. Tel voile de l'amertume, ça doit quitter de manque de pardon. Qu'est-ce qui couvre la gloire?
prie de manière aussi anticipative pour dire que cette année, Seigneur, garde-moi. Garde-moi. Je n'aimerais pas qu'il y ait quelque chose qui va empêcher la manifestation de ta gloire dans ma vie. Nous sommes dans l'année de la gloire. Je n'aimerais rien autoriser, rien permettre. Voilà pourquoi je veux t'inviter ce soir à prier pour ton cœur, à dire: Seigneur, garde mon cœur, préserve mon cœur. Je ne veux pas mon ego, ma chair prenne place. Tu dois prier anticipativement afin que rien ne puisse faire obstacle à la manifestation de la gloire de Dieu. Même toi qui es en ligne, qui nous suis, c'est le moment de prier pour ton cœur. Seigneur, garde mon cœur contre toute forme de compromission. Garde mon cœur contre la convoitise. Garde mon cœur contre la haine. Garde mon cœur contre toute forme d'amertume. Garde mon cœur contre l'envie, la jalousie. Garde mon cœur contre les œuvres de la chair. Garde mon cœur contre ces choses. Préserve mon cœur. Aide-moi, Seigneur, à garder mon cœur pur. Garde mon cœur loin de toutes ces choses. Garde mon cœur. Je prie pour mon cœur. J'aimerais que tu pries pour ton cœur. La Bible dit: garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui vient la source de la vie. Prie, garde mon cœur, garde mon cœur, garde mon cœur, garde mon cœur, garde mon cœur. Seigneur, garde mon cœur. Aide-moi à garder mon cœur contre plus que toute autre chose. Oh, merci Seigneur, parce que ta parole est la vérité. Garde-nous, Seigneur. Nous ne voulons pas te mettre dehors. Demeure au centre de nos cœurs. Demeure au centre de notre vie. Au centre de notre adoration. Au centre de notre culte. Au centre de nos foyers. Au centre de nos familles. Au centre de nos relations. Que tu sois au centre de toutes choses. Au centre de nos projets. Au centre de tout. Alors là, nous vivrons la gloire véritable et unique. Sois béni, Seigneur. Merci pour ta parole dans notre cœur. Et merci pour ton serviteur. Que tout l'honneur et la gloire te reviennent. Seigneur, nous te prions pour nos cœurs. Aide-nous, Seigneur, à garder nos cœurs pour toi et pour toi seul. Que toute la gloire te revienne. Au nom merveilleux de Jésus, nous disons amen. Amen. Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur. Merci beaucoup, apôtre Douglas, que Dieu soit béni. Nous sommes très honorés, très édifiés. Nous pouvons reprendre nos places et nous allons vers la fin de notre culte. Permettez-nous de vous prendre encore quelques minutes et le temps pour nous de récolter également les offrandes. Vous qui nous suivez, vous pouvez aussi apporter votre offrande via les moyens qui sont là. Et nous avons notre terminal carte bleue ainsi que nos paniers. Librement, nous pouvons apporter nos offrandes librement. Et je vais laisser la place à RGM pour... alors que nous apportons nos offrandes. Avec joie. On y va, riche en bonté. Riche en bonté et en miséricorde, tu nous as aimés. Nos fautes passées nous sont pardonnées, ton amour. Riche en bonté et en miséricorde, tu nous as aimés le premier. Nos fautes effacées nous sont pardonnées. Ton amour pour nous. Encore une fois, riche en bonté. Riche en bonté et en miséricorde, tu nous as aimés le premier. Nos fautes effacées nous sont pardonnées. Ton amour. Immense est sa faille, ton amour, tu l'as démontré sur la croix, en sacrifiant ton fils unique pour moi. Oh Dieu, merci.
merci. Oh, immense, ton amour, tu l'as démontré sur la croix, en sacrifiant ton fils unique pour moi. Oh Dieu, merci. Un cœur reconnaissant. Un cœur reconnaissant. Un cœur reconnaissant. Un cœur reconnaissant. Oh, oh. Gloire au Seigneur, que Dieu soit béni. Nous acclamons bien le Seigneur. Amen. Donc vous pouvez trouver notre album Refresh sur toutes les plateformes pour écouter sans modération. Et vous serez béni. Amen. Que Dieu soit béni. Merci beaucoup apôtre Douglas et ainsi que la servante de Dieu Lydie, son épouse. Donc, voilà. Est-ce que Lydie peut s'élever pour que tout le monde la voie? La femme de l'apôtre Douglas. Voilà. Les parents t'ont pas bien vu, donc il faut descendre un peu. Voilà, elle est là. Que Dieu soit béni. Il faut un travail formidable. Et nous bénissons Dieu pour eux. Et nous sommes fiers de ce que vous faites. Et nous bénissons vraiment le Seigneur. Et toute l'équipe, je ne sais pas les noms des frères qui sont là, mais levez-vous, parce qu'ils ont travaillé avec l'apôtre Douglas. Nous sommes très fiers. Merci beaucoup. Waouh! Donc, que Dieu soit béni. Merci pour votre présence dans ce programme. Et nous bénissons Dieu. Merci. Nous sommes donc à la fin de notre culte. Nous voulons juste vous rappeler qu'à partir des 5 heures, nous avons notre dévotion matinale. Vous pouvez rester à nous suivre en ligne, mais aussi si vous avez la force, vous pouvez venir ici dans la salle et prier le Seigneur avec nous. Et de 12h à 18h, nous avons notre chaîne de prière sur Zoom. Connectez-vous parce que ces temps, c'est des moments extraordinaires. Et à 19h, encore demain, nous nous retrouverons ici où nous serons encore richement bénis par un serviteur de Dieu merveilleux qui va nous nourrir et nous faire du bien. Nous aurons le pasteur Gabriel Oleko qui va nous bénir et nous faire énormément de bien. Alors ne manquez pas encore demain dans notre programme. Nous sommes toujours dans notre programme de jeûne et prière. Si vous nous avez rattrapés en cours de route, alors restez avec nous. Amen. Et nous croyons que Dieu va vous faire du bien. L'apôtre Douglas a écrit plusieurs livres, comme il a été dit hier. Donc vous pouvez les avoir, c'est là, pour si vous voulez acheter, être édifié et encouragé, instruit au travers de ses dons. C'est un apôtre, c'est un auteur, il est tout, lui. Et nous bénissons Dieu. Et nous bénissons Dieu pour sa grâce. Nous sommes donc à la fin de notre culte. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour clôturer ce moment? Et en plus, comme vous savez que nous sommes dans un programme de jeûne et prière. Donc, à partir de minuit, nous entrons encore dans le jeûne. 18h, on atterrit. Donc, juste à la fin, ici, il y a quelqu'un qui a pensé à nous. Il y a des gaufres, la boisson que vous pouvez prendre. Donc, en prenant vos voitures ou bien la navette, le train, en même temps, c'est la gloire. Père, nous voulons te bénir et te rendre gloire. Que ta grâce nous accompagne et que cette gloire soit notre partage tous les jours. Merci de bénir la journée de demain et que nous recommandons entre tes mains déjà à 5 heures dans notre dévotion matinale, de 12h à 18h dans notre chant de prière et le soir comme aujourd'hui, de 19h à 21h, nous voulons expérimenter, vivre, nous baigner pleinement dans la gloire. Merci de nous accompagner. Au nom de Jésus, amen. Que Dieu vous bénisse. Merci.